senti que l'un des vœux qui a été exprimé tout à l'heure appelait une sorte de réponse. Alors, je veux bien vous dire que d'abord, je m'associe très fortement à la joie de cette aumônerie militaire d'avoir le père Brunelière comme aumônier. Et je veux bien vous dire que pour ma part, je ferai tout ce qui est possible pour qu'il continue de servir l'aumônerie aussi longtemps que cela sera réalisable et pour qu'il reste proche de vous de toutes les manières possibles. C'est promis. Vous savez que chaque année, ce voyage, c'est des souvenirs qui restent toute la vie, hein, pour tous, hein, et toutes. Hein. Alors je vous souhaite, pareil, un voyage magnifique, hein, et qui vous laisse que de bons souvenirs. Père, vous savez que vous êtes les ambassadeurs, les ambassadrices, hein, de la musique, hein, et de l'amitié, hein, je crois. Hein. On sent tous les jours que véritablement il y a une amitié entre vous. Et ça surprend toujours les gens qui vous entendent. Et puis il y a ce sourire quand vous chantez, on sent que vous chantez avec votre cœur, votre âme. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent voyage. Hein. Merci. Hein. Vous avez tellement semé, comme je dirais tout à l'heure, de l'amour et de la joie et de l'espérance dans les cœurs que le Seigneur regarde d'abord ce qu'il y a de beau dans nos vies. Ce qui fait oublier tout le reste. Amen. Allez dans la paix du Christ.